Par contre, tes candidatures, c'est toi qui fais. Hein. Ouais, ok, d'accord. Y'a des gens qui veulent rejoindre le clan là et que je dois accepter. Je vais aller voir. Y'a un Lessine en face! Yes! C'est gagné! Ah, ça fait plaisir! Merci beaucoup! Accepté, j'ai pas vu ton message. Merde! Ok, bienvenue les gars. Y'a que 30 places, hein. Hop! C'est un clan sur LOL. Non, non! Red Shadow Legends! Yo, aujourd'hui la vidéo a été sponsorisée par le jeu mobile Red Shadow Legends. Et vous savez, je teste toujours les produits avant de vous en parler. Et je suis devenu accro au jeu, no joke, j'y joue même en stream sur League of Legends. Le jeu vous le connaissez déjà peut-être parce que c'est un énorme jeu mobile. Il y a déjà plus de 10 millions de téléchargements en seulement 6 mois et le jeu est complètement gratuit. Le principe du jeu est simple, c'est de construire ton équipe et d'améliorer les héros que tu recevras pour battre des boss épiques et même des joueurs à travers le monde. Tu devras donc faire avancer tes héros en les montant de niveau et en leur donnant des artefacts puissants que tu pourras eux aussi monter en puissance et tu as encore plein d'autres façons d'améliorer tes héros. C'est vraiment bien fait. Et tous les jours tu as des cadeaux. En fait il y a un nouveau système où tu reçois des cadeaux journaliers. T'as plein de succès à avoir. Tu n'es jamais bloqué dans le jeu et c'est ultra stylé. Bon après je vais pas vous mentir, je mets une petite vidéo en fait. J'ai ouvert avec une pierre d'invocation rare, donc c'est pas si rare que ça en vrai. Et j'ai eu un légendaire. Ah oui, des gens me détestent sur le stream déjà. Alors, le jeu graphiquement, j'ai pas compris. Je le trouvais vraiment beau et je suis en mode... Attendez, moi j'ai juste un iPhone 6, ça va jamais marcher. Aucun problème, bro, aucun problème. Mais le jeu, no joke, c'est pas de la merde, hein. Il a genre plus de 300 000 avis sur l'Apple Store. Il est noté presque 5 étoiles sur 5. Le jeu est en développement de fou encore. Il fait beaucoup de mises à jour. Il y a des trucs faction contre faction et tout. C'est assez stylé. En gros, dans ce mode, il faudra que tu réunisses des héros d'une même faction pour qu'ils combattent ensemble. Et du coup, ça te force à créer une différente équipe. Et c'est vraiment stylé. Autre chose. Alors, le seul bémol, c'est que le clan, il n'y a que 30 places pour les membres. Il n'y a que 30 membres qui peuvent nous rejoindre. Donc, tu peux me retrouver sur le jeu. Moi, c'est Okonay, O-K-O-N-O-Y. O-K-O-N-A-Y-E. Et en fait notre clan c'est Okoloko. Ce sera écrit quelque part. Et tu peux faire ta demande de candidature. Tu mets un petit message. Et je veux des gens motivés. Parce qu'en fait il y a un boss de clan. Attends, je te le montre. Je vais le faire même. Tu sais quoi, je vais le faire. Il faut qu'on le tombe. Il y a un butin de fou. Mais il faut bien jouer en fait. Ça c'est le boss de clan. Et en fait il est super dur. Il faut qu'on le tombe les gars. Donc rejoignez le clan. Let's go. Donc rejoins-nous, va dans la description de la vidéo, clique sur les liens spéciaux et tu obtiendras directement 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveau Joueur pour commencer ton parcours. Par contre là je suis arrivé un petit peu tard, j'étais obligé de warder parce que j'avais genre 2 secondes de retard. C'est très bien là, on a eu un bon start hein. Oh là c'est très bien ce qui se passe là. Non non non, tape ça. Allez c'est GG. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah. Non, parce que c'est quand même la tête de... Pas esquiver mon truc, quoi. Chier. J'ai pris très cher. Osef. Le Lee Sin qui est en 3-0, on s'en bat les couilles, hein. T'es morte, hein. NON! Mais... J'ai pas eu le temps de mettre mon auto-passif. Oh putain, le seum! Je perds jamais une game contre Lee Sin. Jamais de ma vie, je perds une game contre Lee Sin. Ouais, ok, le karma. Non mais Lee Sin, je vous l'ai dit en fait. Au début, souvent les Lee Sin vont croire qu'ils sont bons, ils sont en 3-0, ils se pensent bons. Mais en teamfight, ils sont, la plupart, sont éclatés au sol. Et ils font de la grosse merde. Il y a des teamfights où des Lee Sin font 0 dégâts et ils sont en vie 10 secondes dans un teamfight. En fait, les games où tu vas perdre contre Lee Sin, c'est souvent parce que tu es FF à 15 minutes. Et que tu... Et t'es juste... Tu mental boom en fait. Mais si tu mental boom pas, tu les gagnes les gars. Faut protéger cette ward, bro. Ça c'est bien. Alors peut-être tu y allais la Tristana, ils avaient vraiment tout utilisé là contre moi. Yo, je suis en train de faire un travail monstrueux, mais la Tristana ne suit pas, elle fait rien, c'est dommage. Run. Non.
Ok, c'est bien les gars, c'est bien, bien joué, bien joué. Oh, oh let's go, bien joué, putain, on a eu un bon réflexe là. Oh merde, putain, c'est... D'où il sort lui? Mais il est top! Oh le bâtard, il vient d'où le malfit? Il nous a éclaté! Faut les tuer les... C'est une feuille. Moi aussi je veux faire une feuille pour la fleur. Une auto-attaque les gars. Oh c'était chaud là. Nautilus il lui fallait une auto, perso de la auto. Vas-y Malphite, défonce leur gueule. Merci. Alors c'était pas fou, mais c'est passé. J'aime bien prendre Mundo quand il y a des gros trucs comme ça. Non, il va me ult. Non. J'ai cru qu'il allait me ult, putain. Il va me ult là, non. Oh, je la tue, je la tue, je la tue. Oh, attends, je le sens mal les gars. J'en ai rien à foutre. Ma protobalt inutile. Alors le fameux 3-0 listening early. Je vous l'avais dit. Non mais je vous l'avais dit, bordel de merde hein. Oh le listening qui meurt en faisant absolument zéro dégâts. Quel étrange phénomène. Oh merde, ça c'est chiant par contre. Merde, merde, j'ai int. Oh les bâtards. Oh ça va, mon ultime était ok tiers. On est en train de push top, donc ça va. Mon Lee Sin était dans mon équipe, on a perdu. Lee Sin deux fois en face, on a gagné. Et là, il est en face, on va gagner. Alors qu'il était en 3-0, hein. C'est ce que je vous avais dit. Les Lee Sin, les mecs, avant Challenger, parce qu'en fait, Lee Sin, c'est un champion que je trouve ultra complexe à jouer. Il peut être très fort, mais dans les mains de Titouan, 12 ans, plat 4, ça ne marche pas, en fait. Et en fait, les Lee Sin, comment ils gagnent? Eh bah, les gens FF à 15 minutes. En gros, le Lee Sin, il est en 5-0, 7-0, à 15 minutes. Et les gens, ils se disent, bah, c'est mort, Lee Sin, en 7-0, il a snowball. Non, justement, en late game, dans les teamfights, et dans des situations où faut vraiment être précis et réactif, la plupart des Lee Sin, 80%, vont complètement se foirer au niveau du kick ou du Q. Imagine que le Lee Sin, il fasse R sur le tank, et il rate son Q dans un teamfight. Bah, il fait pas de dégâts. Alors qu'un Xingzhao Kha'Zix, bah, il en fera le triple, minimum. Oh, what the fuck, mon gars. Mais what the fuck, bro. Non, je pensais que j'avais Zonia, le fils d'up. Attends, mais il fait mal, en vrai, le Malphit, là. Mais là, la game, je sais qu'elle est gagnée, genre Lee Sin. Je vous jure, hein. Lee Sin était en 4-0, je crois. Il est en 4-6, maintenant. Genre, regardez. Et regardez vos historiques, aussi. Les games avec les Lee Sin que vous avez gagnées, c'est des games de 15 minutes, je pense, ou 20. J'aimerais bien que le Echo s'avance, il mette de la pression. Comme ça, moi, je peux y aller plus. Ou même Mundo. Let's go. It's my time. Alors, Harry n'était pas le bon choix. Ok. Oh, ce serait bien qu'on gagne là-dessus en vrai. Comme ça, c'est bon. Allez, GG. Ok!